Attention, cette vidéo est la suite de la vidéo La Passesse plus jamais. C'est une suite plus ou moins ironique, alors je vous invite à aller voir le premier épisode avant de cracher votre haine en commentaire. J'aimerais trop refaire une Passesse. Vraiment. Je referai une Passesse rien que pour les chants en amphi. Et puis tous ces mots qui nous faisaient réagir en amphi, là, cristalline, dipôle, dimère. En fait, quand le prof dit cristalline, il faut crier Staline. Voilà. Et pour dipôle et dimère, il faut dire, oui, pôle et mère. Bravo Christian. Merci. Voilà, l'humour vole pas très haut, je vous l'accorde, mais moi ça me faisait bien rire en P1, et c'est vrai que ça me manque pas mal. Et le mot fusion aussi, on l'adore ici à Lyon. Il va y avoir les cellules non fusionnées. Et je suis sûr que la moitié des gens ne savent pas que ça vient de Dragon Ball Z. Fusion ! Mais évidemment, ce que les P1 de Lyon préfèrent, c'est quand le prof dit 12. Pour aller se jeter dans le 12. 12 ! C'est moi. Je referai une Passesse aussi uniquement pour pouvoir me plaindre. Ah ouais, parce que les Passesses, vous êtes chiants, vous vous plaignez tout le temps. De vos cours, de votre vie sociale, mais vous êtes pas les seuls. Sciences Po, Prépa, eux aussi ils galèrent, et pourtant on n'entend que vous. Regardez, si je vais sur Twitter et que je tape Passesse, je suis sûr que je vais tomber sur un profil d'un Passesse dépressif. Puis vous êtes pas vraiment à plaindre non plus, attends, vous êtes materné par tout le monde, par vos parents qui vous apportent à manger, qui vous soutiennent, par le tutorat qui vous donne des cours et qui vous entraîne toutes les semaines, par les prépas qui en plus du soutien scolaire vous fait un soutien moral. Attends, on n'a pas ça dans l'année sup, hein. Pas de prépa, pas de tutorat et je me fais à manger. Enfin, la plupart du temps, les stations pizza le font pour moi, mais bon. Puis vos cours, sincèrement, vous les trouvez compliqués? Des cours sur l'ADN, sur la glycolyse? Oh, j'aimerais bien en avoir, moi aussi, des cours comme ça, hein. Puis quand vous disiez que vous étiez en médecine, aviez-vous vraiment l'impression de faire de la médecine? Vous vous êtes jamais senti con quand, après un an de médecine, vous n'avez même pas su expliquer ce qu'était une grippe? Je pense de plus en plus que la Passesse n'est pas si difficile que ça en termes de cours. Les cours d'année sup sont bien plus durs, bien plus intéressants, certes, mais la quantité de cours est à peu près similaire. La différence est que la première année est un concours, et c'est ça qui en fait la difficulté. Voilà, donc à partir de cet instant, je vais me prendre une rafale de pouces rouges. Puis quand vous êtes à la BU, vous vous êtes déjà regardé? Non, parce que nous les années sup, on sait que vous êtes en Passesse, on sait ce que c'est, et on adore vous observer. Oh là là, mais ça fait 30 minutes qu'il est en pause le salaud, mais quelle audace pour un première année. Moi j'aurais pas mis ABC, non. Moi j'aurais plutôt mis ABD. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Moi quand j'étais en P1, je n'avais même pas de BU, parce qu'elle était en construction, alors arrêtez de vous plaindre parce que j'étais obligé d'aller jusqu'à la BU de droit. Après ça m'a arrangé un petit peu, parce que les filles en droit sont quand même beaucoup plus jolies. BU, je suis la queue pour draguer. BU, des bisous, des carrés. BU, puis je vais rater mon année. Du coup, j'étais assez content d'aller à la BU de droit jusqu'à ce que je vois ce mot collé sur les murs de la BU. Ouais, j'avoue, ça fait un petit peu mot du Front National. Rentrez chez vous! J'aimerais trop retourner en Passesse, hein, parce que la Passesse, ça m'a fait grossir, et vraiment, j'ai adoré ça. Mais attendez, est-ce que vous savez pourquoi j'ai grossi? À force de manger tous mes concurrents? Ouais, parfois, il n'y a pas vraiment de pitié, hein, il faut toujours être le meilleur tout le temps, et sincèrement, pendant cette année, tu en apprends beaucoup sur toi. Sur tes capacités intellectuelles, sur tes limites psychologiques, sur ta conviction, ta motivation. Ouais, il faut vraiment être borné pour réussir sa Passesse. Et c'est là que j'en ai appris beaucoup sur moi. Je referai une Passesse aussi uniquement pour refaire de l'anatomie. Attends, mais c'est trop cool l'anatomie. Quand j'étais en terminale et que j'ouvrais un livre d'anatomie, j'étais comme ça. Oh là là, mais ça doit être tellement cool de connaître tous les os du corps humain. Quelle naïveté! En Passesse, je suis tombé dans la désillusion de ce qu'est vraiment l'anatomie. L'insertion postérieure du muscle digastrique est-elle plus en dedans que l'insertion céphalique du chef cléido-mastoïdien du muscle sternocléido-mastoïdien? Wow. J'ai mal au crâne. Mais... cours d'anatomie. Les années sup ne sont pas une longue période de vacances, hein, parce qu'on entend beaucoup trop souvent. Le plus dur, c'est la première année. Alors je peux vous dire, moi qui suis en troisième année, pas du tout, hein, j'en chie, vraiment. Sincèrement, après cette vidéo, qui ne voudrait pas faire une Passesse? L'absence de vie sociale, qui n'en a jamais rêvé? Vous en avez marre qu'on sache tout sur vous? Vous en avez marre qu'on parle dans votre dos? Vous en avez marre qu'on vous jalouse? Optez pour des études médicales! Pas de vie sociale, pas de problème!
Papa dit, moi j'ai pas un seul problème. Venez en P1, vous verrez, c'est super cool. Plus de cheveux, on s'en fout complet du style. J'ai pas de vie sociale et comme ça personne me jalouse. La vidéo est maintenant terminée. Je suis désolé pour tous les premières années qui me regardent, mais vous allez galérer. Et pas qu'en première année. Là, ce n'est que le début de vos études. Il vous reste encore au moins 8 années d'études. Salut!